Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'expérimente un petit peu, on va pas se mentir. Une vidéo qui s'appelle Point Méta. Donc qu'est-ce que c'est le point méta? Alors vous allez me dire, ah Malga, enfin tu fais des vidéos de tier list ou de méta ou de ça. Non, c'est pas le but, c'est pas le but. Donc cette vidéo, effectivement, pour... Parce que généralement quand j'aime faire des guides, etc., c'est pour que la vidéo puisse durer dans le temps. Et en plus, bah, c'est rigolo parce que c'est un personnage qui fait ça pour la première fois, avec un personnage qui m'a fait refaire mes guides au moins 4-5 fois, donc c'est assez drôle. Mais le principe, en fait, ça va être de revenir sur ce que j'ai pu dire, par exemple, sur mon guide Brightwing, qui est toujours à jour, hein, pas de problème. Mais il y a eu un petit changement, notamment dans la méta, avec des petits ups qui sont arrivés, on va y revenir après, et qui fait que Brightwing, eh bien, aujourd'hui, est devenu l'un des top supports dans les parties compétitives. Alors, quand je parle de compétitive, je parle tout simplement de la CCL. Si vous avez regardé un petit peu les lives, que vous êtes que sur YouTube et vous avez raté un petit peu les lives, eh bien, chaque samedi et dimanche, à 22h, heure américaine forcément, donc 22h pour nous, eh bien, nous avons tout simplement des matchs d'une compétition nord-américaine, mais qui regroupe plus de la moitié de ces joueurs sont des Européens et des anciens joueurs AGC notamment, et également avec quelques Français, hein, Mascarade, Banana H, Dequaza et également Yazoo. Et nous avons également trois Coréens, à savoir Hyde, Kyosha et du coup Lockdown qui participe tout simplement à la CCL. Donc c'est quand même vraiment une compétition très intéressante d'un point de vue niveau de jeu et équipe. Alors après, bon, je vais pas refaire un point sur la CCL, mais bon, il y a aussi des petits soucis avec la CCL, notamment au niveau de la manière dont s'articule la compétition. Mais sinon, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit un petit peu, par exemple, bah, la manière de jouer américaine qui se heurte à la manière de jouer européenne. Coréenne, ils sont pas assez pour vraiment influencer totalement la méta, mais c'est assez intéressant de voir ça. Donc, on va pouvoir revenir sur un personnage qui, depuis le départ de la CCL, est parti en flèche, c'est Brightwing. Brightwing qui est un support qu'on voyait moins, qu'on voyait rarement, qui n'avait pas vraiment trouvé, elle avait sa place de, comme je disais dans mon guide, de anti-dive et potentiellement anti-hammer, mais c'est tout, elle était vraiment dans ce point là. Donc le but, donc peut-être que vous regarderez cette vidéo dans un an, et c'est bien sûr la méta aura évolué, et Brightwing ne sera probablement plus méta à ce moment là, peut-être pas, hein. Mais le principe c'est que malgré tout elle sera toujours ok, puisqu'on va parler de points forts quand même de Brightwing. Donc sauf si y a un énorme rework ou autre, normalement cette vidéo vous servira, même s'il y a des points qui ne fonctionneront plus, il y aura forcément des points eux qui resteront toujours valides. Donc on va rester là-dessus. Alors pour commencer, Brightwing, donc comme on l'a dit, eh bien c'est une particularité de la zone nord-américaine. Les supports américains adorent le perso, donc elle a toujours été très jouée. Même à une époque où elle était moins forte, elle était très appréciée par les Américains, qui faisaient des pics un petit peu, donc des pics un peu plus exotiques. Et du coup, bah, Brightwing déjà, hop, un petit peu joué en NA. Alors, on va parler également d'Yazoo, français et joueur européen, qui a été l'un des premiers à ressortir Brightwing et nous faire des choses assez intéressantes. Mais alors comment, pourquoi Brightwing revient méta? Tout d'abord, on va commencer par le côté, bien sûr, les Américains, tout ça, c'est le pic un petit peu exotique que les Américains ont toujours apprécié, mais surtout le véritable point qui fait que Brightwing est revenu, c'est son contrôle, c'est sa polymorphe. La polymorphe qui est toujours très très forte contre le dive, du genre counter de Zeratul, counter de Tracer, puisque bah, ils peuvent pas faire grand chose, ils vont être obligés d'arriver sur Brightwing. Brightwing et la polymorphe, ça les calme direct, puisque la polymorphe c'est un silence en gros, hein, c'est un silence qui est fusionné avec un ralentissement, donc c'est quelque chose d'assez violent le polymorphe. Le truc, c'est que du coup, qu'est-ce qui se passe dans la méta compétitive? C'est Imperius qui dominait d'ailleurs, je devrais dire, le poste de main tank dans la méta compétitive. On pense à Mascarade qui est excellent dessus, d'ailleurs, qui continue à le jouer. Mais globalement, eh bien, le tank du moment, c'était Imperius. En face, très souvent, on mettait une Johanna, puisqu'Imperius peut one-shot, enfin aider au one-shot de n'importe quel tank, sauf Johanna avec la galvanisation, etc. C'est quand même compliqué à tomber. Donc Imperius a vraiment été le cœur d'une évolution des mentalités et des pics. Qu'est-ce qui peut inquiéter Imperius? Imperius, vous savez, l'empalement, eh bien, Imperius est auto-stun, on va dire, il est bloqué dans son animation, et notamment avec le Q-spell au niveau 1, eh bien, les dégâts s'appliquent une fois le Q-spell terminé. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit point. Arrêtez, s'il vous plaît, quand vous jouez avec un Imperius, de niquer votre propre Imperius. Le stun, on va essayer de le mettre une fois que le contrôle est terminé. Pourquoi? Alors, bien sûr, un tout petit peu avant, parce que sinon, bah, bien sûr, avec l'animation, ça passe pas, mais tout simplement parce que si vous bloquez, si vous mettez un stun ou vous mettez un bump ou quoi que ce soit avant, eh bien, ça va casser l'interruption d'Imperius. Donc, potentiellement, vous allez lui détruire son niveau 1 s'il joue sur la réduction CD et les dégâts à la fin de du casting time. Donc, on fait attention. Mais ça, c'était une petite parenthèse qui n'a rien à voir. Mais du coup,
Enfin, ça n'a pas rien à voir, parce que ça vous permet de comprendre aussi le counter. Donc, comment par exemple casser le contrôle d'Imperius avec sa lance quand il empale quelqu'un, l'empalement? Eh bien, vous allez par exemple lui mettre un stun, lui mettre un bump, lui mettre un silence pour interrompre la canalisation de l'empalement. Et là, ce petit jeu-là, vous avez compris tout de suite, la polymorphe de Brightwing. Eh oui! Alors, en plus, il y a deux manières de counter Imperius avec la polymorphe. Soit pendant l'animation de lancement, et là, bah, ça annule carrément le dash. Soit, si vous avez un peu de retard, donc ça, c'est bien sûr le premier cas de figure, c'est le meilleur. Deuxième cas de figure, c'est l'empalement est passé. Il touche un mec, donc un des gars de votre équipe ou plusieurs sont empalés. Et là, vous mettez la polymorphe qui coupe instantanément le stun d'Imperius. Donc, à ce niveau-là, Brightwing est très forte. Et en plus, bah, c'est un CC ciblé, c'est un contrôle ciblé. Il suffit d'appuyer sur Z et de mettre votre curseur sur la cible que vous voulez polymorphe. Donc c'est très facile d'utilisation. Très 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 facile d'utilisation. Ça a une portée relativement correcte. Donc à ce niveau-là, eh bien, c'est vrai qu'Imperius fait le taf. Contre Imperius, ça fait le taf. Donc on parle d'un tank qui est très très fort dans la méta. Polymorph est également très facile à utiliser, comme je l'ai dit, CC ciblé. Et surtout, par exemple, on va parler un petit peu derrière la méta aussi du médaillon. On la voit d'ailleurs dans ses petites mimines. Tiens, un médaillon. Médaillon, c'est quand même quelque chose qu'on pourrait se dire qui pourrait être justement horrible contre la polymorphe, puisque bah, vous avez profité d'une incensie contre la polymorphe. Contrairement à quasiment tous les contrôles du jeu, il n'y a pas d'animation sur la polymorphe. La polymorphe, c'est vous mettez polymorphe sur lui, pouf, c'est instantané. Uther, par exemple, qui a un stun également qui est très fort contre le dive, Uther, il faut s'approcher quasiment à bout portant pour mettre le stun. Vous voyez le Uther s'approcher, vous savez qu'il va mettre le stun, hein, il n'est pas là pour vous vendre du pain. Donc, Brightwing, c'est très difficile, ça veut dire que si vous voulez médaillon une polymorphe, faut anticiper que la Brightwing va vous polymorphe. Alors certes, moi je demande à ce que le médaillon ait 600 voire plus en secondes, mais 300 secondes c'est rien du tout, hein, donc 300 secondes c'est quand même beaucoup pour se dire, attention, peut-être qu'elle va me polymorphe, du coup je pré-médaillon sa polymorphe. Enfin, genre c'est très compliqué, donc au final elle n'est pas... Elle n'a pas ce problème du médaillon, contrairement à un Uther ou à d'autres supports, comme un Stukov par exemple, où vous voyez l'animation partir. Là, il n'y a pas ce problème-là. Donc c'est vrai que ça peut être quelque chose de délicat quand vous jouez contre Brightwing. On va pouvoir revenir sur un autre point. Comme je le disais, bien sûr, c'est la transition avec la polymorphe. C'est le counter classique du dive. Le dive, hein, j'en ai parlé un petit peu, Zeratul Tracer, à très haut niveau de jeu. Quand par exemple on récupère directement un Hanzo ou un pic un peu fragile ou un chacal par exemple, Junkrat qui est très méta à l'heure actuelle, Junkrat pour sa polyvalence dans les drafts, eh bien on va, et par rapport à la carte, donc on va généralement partir sur un Zeratul, une Tracer, un Genji pour potentiellement punir celle-là, Genji un petit peu moins mais les deux autres beaucoup plus, surtout qu'il y a des très bons joueurs encore une fois, un Kyosha etc, tu le mets sur un Zeratul, tu pleures, donc... Il y a des très gros joueurs de Tracer, Nick également très très gros joueur de Tracer, donc forcément, eh bien on va bloquer ce genre de pick avec une Brightwing. T'as pas envie de jouer Tracer contre une Brightwing, c'est très compliqué. Pareil, un Zeratul difficile contre Brightwing. Donc counter très très classique du dive, et le dive est quand même une stratégie très souvent employée à très haut niveau parce qu'ils ont une vitesse d'exécution, une vitesse d'adaptation qui permet eh bien, d'agresser, de counter les drafts ennemis et en plus de proposer les plays en fait. Comme généralement c'est des bons joueurs, ils vont faire la différence. Ensuite, alors d'ailleurs j'aurais dû peut-être le mettre en préambule, en introduction de la vidéo, évidemment ça veut pas dire jouer Brightwing en silver, hein. Ça veut pas dire jouer Brightwing en silver, ça y est c'est le perso pété, jouez ça, j'aurais dû le dire tout de suite, my bad. Brightwing à l'heure actuelle est forte au niveau compétitif, ce qui va influer sur la méta, même en solo queue et autres, même à Baello etc, à un moment donné vous allez voir de plus en plus de Brightwing. Alors déjà Brightwing à Baello et tout on la voit parce que c'est généralement un pic qui est mignon, tout ça très apprécié, mais en dehors de ça, ça veut pas dire jouer Brightwing maintenant, vous êtes un joueur de support, jouez Brightwing sinon vous êtes con, ça veut pas dire ça. Brightwing est un support qui est quand même très dur à jouer malgré tout. On pourrait croire, bah non, c'est ciblé, etc, c'est facile. Non, l'utilisation entre le global, entre le timing de polymorph, parce que les Brightwing qui appuient sur le polymorph pour rien, ça on en voit, hein, ça sert à rien non plus. Donc c'est beaucoup de timing Brightwing et c'est vraiment pas facile à jouer. Donc ne pensez pas, voilà, Brightwing c'est trop fort, c'est vraiment très fort en compétitif, contre des très bons joueurs, avec des très bons joueurs. Et quand le joueur est très bon aussi sur Brightwing, donc pensez bien à ça. Comme j'en ai parlé un petit peu déjà, j'aurais peut-être dû le mettre en premier point, mais c'est la mode américaine encore une fois, donc là-dessus, pas de soucis. Mode américaine, toujours très appréciée, donc il y a cet effet de mode, il y a le counter d'Imperius, et c'est un counter classique du dive, il y en a quand même beaucoup en compétitif, ça c'est les trois recettes, on va dire, c'est le combustible, c'est l'accélérateur, j'ai envie de dire, qui fait que le feu Brightwing, eh bien, s'emballe, c'est le combustible, vraiment.
Maintenant, il y a d'autres points aussi qui sont assez intéressants avec Brightwing, qui complètent les trois premiers points. C'est notamment le Burst Heal. Le Burst Heal et la purge de zone. On pourrait se dire que le médaillon pas besoin de purge. Eh ben, elle a une purge de zone, donc c'est quand même assez intéressant. Je vous laisse aller voir bien sûr le guide en parallèle de Brightwing, qui vous permet bien, par exemple, de vous auto-purge. Ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, elle a une purge de zone. Elle a très fort contre par exemple des persos qui peuvent, bah, par exemple un Imperius encore une fois qui peut empaler jusqu'à 3 personnes, voire plus même, bah, un petit dé, boum, ça dégage tout le monde. Par exemple vous avez Polymorph, je sais pas, une Tracer, Imperius charge à ce moment là, boum, petite purge de zone, pas de problème. Donc là dessus elle est très très forte. Et bien sûr il y a la téléportation de Brightwing qui offre un Burst Heal absolument colossal. Ça c'est vraiment, encore une fois dans le côté aussi anti-dive, la cible qui va se faire dive, je rappelle, c'est le plongeon hein, qui va se faire plonger dessus, et eh bien va pouvoir se téléporter dessus. Et d'ailleurs, par exemple, encore une fois, dans le counter du dive, avec la téléportation, le je te vois au 7, vous donnez du shield, mais vous donnez également de la vision. Donc, contre Zeratul Valyra, excellent petite Brightwing. Nous avons également un quatrième point, qui est le up du heal burst, enfin donc du burst heal, avec notamment, et ça c'est un des facteurs aussi qui fait qu'elle revient, c'est tout simplement le buff du talent 13 qui augmente les soins reçu pour les porteurs du E de Brightwing. Ça marche bien sûr sur le heal passif de Brightwing, mais ça c'est de la merde, hein, soyons honnêtes, c'est vraiment de la merde. C'est un petit bonus supplémentaire, mais c'est vraiment de la merde le heal de base de Brightwing. La plupart des gens pensent que on mettrait Brightwing dans la case fontaine de soins qui soigne énormément. Non, non, Brightwing c'est du burst heal. Le soin lambda c'est de la merde. Donc généralement, donc le up sur le heal du 13, déjà Brightwing a eu un up sur la TP niveau 1, on est passé de 30, on est passé déjà, la réduc CD avait été augmentée et on est passé je crois de 30 à 35% des PV max sur la TP avec le niveau 1, l'hyperphase. Au niveau 7, donc vous avez bien sûr la téléportation qui vous donne du shield, donc ça déjà c'est intéressant. Ça se cumule bien entendu avec le 13, donc la poudre de perlimpinpin, j'ai oublié le nom, mais qui permet eh bien d'augmenter les soins et qui fait aussi que ça dure une seconde supplémentaire si je ne dis pas de bêtises sur le porteur. Donc l'armure magique est quand même très intéressante à ce niveau là parce qu'elle booste énormément le burst heal de la TP. Et c'est aussi pour ça qu'on a un autre point qui va être fait, c'est que moi généralement, et je suis un très très grand vendeur du vent d'émeraude bien sûr, le vent d'émeraude qui pour moi est notamment en classé, quand vous jouez Brightwing, ça vous donne un potentiel de carry qui est monstre. À l'heure actuelle, si vous regardez la CCL, il y a peu de vent d'émeraude. Il y en a eu, et des très très bonnes utilisations d'ailleurs, avec les techniques sous-marin et Genji, en dive justement avec Brightwing aussi, mais la technique sous-marin, on saute sur un Genji saute, on saute sur Genji et... Vendémeraude là-dessous et Genji lui, Dragonblade, tout ça, et il tue tout le monde. Et au 20, vous avez plein de Vendémeraude en plus. Mais du coup, donc très intéressant. Le truc, c'est que du coup, Brightwing à l'heure actuelle, si vous la voyez, c'est plus avec le papillonnage. Papillonnage qui est un ultime faible à la base, hein, j'en ai parlé dans mon guide Brightwing, je le trouve très faible. Généralement, on se dit, bah autant aller jouer un autre support si on doit jouer papillonnage. Papillonnage, bien sûr, l'intérêt du papillonnage, c'est pouvoir téléporter, avoir un soin ciblé sur un allié. Alors bien sûr il permet pas de faire un heal aussi fort que la téléportation, mais le soin est vraiment pas dégueu, sachant que ce soin là il est pas dégueu grâce au 13. En fait le 13 va renforcer énormément les soins reçus par la cible. Du coup et bah la téléportation, le papillonnage de Brightwing va mettre un sacré burst, et là on va avoir quelque chose d'intéressant. Bien sûr, il y a un autre petit point, c'est le fait que la téléportation permette à Brightwing de se replacer, ce qui fait par exemple que si vous téléportez sur le tank ou l'assassin mêlé, vous pouvez potentiellement vous repartir sans risquer de mourir avec une TP sur un de vos alliés à l'arrière. Ça, c'est toujours du confort, même si ça ne veut pas dire que c'est trop fort. Hein. Par exemple, une Brightwing, si vous êtes pas mal puni quand vous téléportez sur un mêlé, vous avez la stase au niveau 16 qui peut être bien avec un Vendémeraude, ça peut être très fort. Vous mettez une stase, et ensuite à la sortie Vendémeraude, boum, ça peut calmer. Il y a beaucoup d'utilisation là-dessus. Mais au final, donc, la TP heal, je parle du niveau 10, là, le papillonnage, qui reprend un up grâce à ces changements sur le talent 13, et bien sûr, bah, la TP 1, qui déjà était trop forte, elle est renforcée encore plus, et on va y venir, ça nous permet de faire la transition, puisque la TP niveau 1, l'hyperphase, eh bien... en voyant une réduction du temps de recharge sur la TP, donc pour avoir plus de téléportation, et ça va très très vite, hein. Il suffit que les sbires meurent autour de vous, ça vous permet de recharger votre téléportation, votre burst heal très fort. Sur des maps comme Sanctuaires Infernaux, où vous allez avoir l'objectif qui est très très près d'une vague de sbires, bah, c'est vrai que vous allez pouvoir mettre 1, 2, 3 TP dans un teamfight si ça dure, donc c'est vraiment très très bon. Et en plus de ça, eh bien, au niveau du global, Brightwing c'est toujours en compétitif. Les joueurs savent utiliser le global avec, on va temporiser, il y a l'objectif qui est là, on envoie Brightwing bot, elle push un petit peu, le Swainer, lui on va le mettre ailleurs par exemple, Brightwing push un petit peu, et au moment où on va vouloir engager, Brightwing TP,
et on va en profiter. Ça, bien sûr, bah, si vous le faites en bronze ou en silver, ça veut pas dire que vous pouvez pas le faire quand je joue Brightwing, mais il va falloir être très 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 prudent, et il va falloir surtout bien regarder si vos alliés se font pas engager pendant ce temps. Parce que eux, ils profiteront pas de la tempo de Brightwing, hein. Donc c'est forcément à haut niveau, ça marche très très bien ça. Les globos à haut niveau, ça a toujours très bien fonctionné. Et en plus de ça, si vous jouez le papillonnage avec, bah, encore une fois, le Burst Steel 13, le papillonnage peut vous permettre aussi de revenir plus vite, d'aller potentiellement plus vite sur les vagues, tout simplement, vous pouvez vous téléporter sur des sbires. Donc ça peut vous permettre de vous replacer un peu plus vite pour pouvoir aller récupérer l'XP, et ensuite vous utiliserez votre téléportation, votre hyperphase, pour vous téléporter sur votre allié quand on aura besoin. Donc tous ces trucs-là, tous ces facteurs qui faisaient pendant un moment que Brightwing était plutôt un pic de niche, peut-être pas niche pendant un moment, ouais, et un petit pic un peu plus situationnel, qui était un peu plus ouvert, notamment avec le counter, je dirais, d'Hammer. Ça, avec une méta Imperius, avec un effet de mode à l'américaine, avec les up sur le Burst Steel qui sont quand même assez violents, bah c'est vrai qu'en fait, Brightwing est passé d'un statut de support de niche à un support très apprécié. Alors bien sûr, il y a aussi toujours l'effet de mode. Alors je dis pas que américaine, maintenant les Européens sont aussi à fond dedans. Et en Europe, nous, on avait Yazoo qui avait commencé à pas mal jouer ça, et maintenant bah, vous avez Banana Age qui joue très très bien Brightwing, qui est aussi un joueur français support. Donc vous avez pas mal de joueurs européens qui s'y mettent. Et maintenant, Brightwing est de rentrer dans les mœurs. Que ce soit les joueurs européens, les joueurs coréens ou les américains, ça y est, Brightwing, c'est vraiment un pic très très fort. Et généralement, bah, quand une équipe a Brightwing en face, bah, déjà, instantanément, ça deny Imperius. Donc c'est vraiment assez intéressant. Et si vous allez first pick Brightwing, pour potentiellement même vous ouvrir un pick Imperius. Puisque Brightwing, comme on l'a dit, bah, ça fonctionne très très bien avec un Imperius, puisqu'elle va lui fournir la téléportation. Imperius va s'avancer, prendre des risques, TP sur lui, boum, tu vas lui donner un Burst Steel, du Shield, tu vas lui donner de la mobilité avec ta poudre de perlimpinpin et de l'armure magique. C'est tout ce que demande un Imperius. Donc c'est très fort contre Imperius, mais ça marche aussi également très très bien contre Imperius. C'est un peu comme Anub Liming. Anub fort contre Liming, mais d'un autre côté, Anubarak, c'est une machine à CC, donc très fort avec Liming. Donc on a ce genre de mécanique de draft qui commence à se lancer. Donc au final, il y a des choses intéressantes, et je pense qu'on n'a même pas encore fini de redécouvrir Brightwing, notamment. Peut-être qu'il y aura des petits ups dans le futur sur la polymorph niveau 1. Et même si la polymorph niveau 1, l'hyperphase est quand même très très forte, mais la polymorph niveau 1 a un potentiel de dingue, mais elle est trop dure à utiliser à l'heure actuelle. Surtout que les joueurs européens jouent sur le serveur NA, donc en CCL, je pense pas qu'on le verra tout de suite parce qu'ils ont du lag. Mais potentiellement avec des petits ups, et surtout si par exemple un très bon joueur commence à jouer la polymorpho 1, ça pourrait être très très violent par la suite. Je vous donne pas de build en dehors de ça, allez voir le guide Brightwing bien entendu. Beaucoup de talents sont viables sur Brightwing. On a commencé même à revoir un petit peu, notamment EO, si vous avez suivi les replays de la Nexus Cup. EO qui jouait aussi à base de plus de purge, moi un talent que j'aime. Un combo de talent que j'aime pas trop parce que généralement il est très très mal utilisé par les joueurs. Mais du coup, en compétitif, bien sûr, plus de purge c'est toujours intéressant. En classé, en ranked, je dis pas que pas de purge c'est pas important, hein, c'est pas ce que je dis. Mais l'utilisation est moindre et souvent le shield est préférable, voire la vision également est très très intéressante. Mais du coup on voyait par exemple la portée des auto-attaques au 4 qui réduit également le temps de recharge du dé, et le dé au 7 qui va mettre un petit burst steel si vous purgez des contrôles. Donc ça, on l'a vu un peu, mais c'est pas forcément très très joué à l'heure actuelle. Donc il y a pas mal de choses, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, c'est un modèle assez court. Allez, vraiment, par contre, c'est pas pour vous empêcher, enfin, c'est pas en mode, allez, regardez cette vidéo, vous n'avez pas besoin de regarder le guide Brightwing. C'est complémentaire du guide Brightwing. Et ça vous permet, en fait, c'est une sorte de talk, en fait, concernant des petits points méta. Ça veut pas dire, encore une fois, il faut que vous jouiez Brightwing sur votre support. Ça marche à très très haut niveau. Si vous jouez très bien Brightwing, bien sûr, ça marchera à n'importe quel elo. Mais ce que je veux dire par là, ça veut pas dire que vous ne jouez pas Brightwing en support, il faut que vous jouiez Brightwing demain. Si vous jouez White Mane, si vous jouez Tyrande, vous aurez beaucoup beaucoup d'impact avec ces persos-là. Pourtant, c'est pas des persos que vous voyez à chaque game en CCL ou en compétitif. Encore une fois, la méta, c'est un point de repère. Ça veut dire que la méta tourne autour de ces personnages-là, ça veut pas dire que vous êtes obligé de jouer ces personnages-là. Entre compétitif et classé, il y a une différence. Le problème, et ce qui me fait rager très souvent, c'est que soit en classé les mecs sont des méta slaves et du coup disent ah, c'est comme ça que ça c'est un perso méta, tout le reste c'est de la merde. Soit à l'inverse, c'est le mec qui dit bon, j'en ai rien à foutre de la méta, je joue mon truc. Ouais, mais si tu connais pas la méta, tu comprendras pas aussi que ton perso il a des difficultés. Et c'est pas un problème. Savoir que ton perso est pas forcément le top tier dans la méta, mais à être conscient des forces actuelles, ça va vous permettre justement de vous adapter avec ce perso qui est peut-être moins méta,
face à la méta actuelle. Donc c'est quand même assez intéressant. Peut-être des changements de talent, des changements de playstyle, des changements de manière de jouer et autres. Donc voilà, c'est un point quand même que enfin, j'ai envie de le refaire parce que ça évite que des gens soient esclaves de cette méta justement. Mais voilà, c'était un point très important. On m'a beaucoup posé la question comment se fait-il que Brightwing revienne. Et je pense que c'était assez intéressant parce que c'est vrai qu'on est passé d'un pic qui était quasiment jamais joué à un pic qu'on voit maintenant tout le temps. Donc ça me semblait plutôt légitime. J'en profite aussi pour faire un petit point sur Stukov, mais vraiment très rapide. Stukov aussi revient beaucoup sur la scène compétitive à l'heure actuelle. Alors Stukov a toujours été un support très fort, ça pour le coup. Le petit problème, c'est qu'il n'est pas de purif, contrairement à tous les autres persos. Et à l'heure actuelle, comme il y a les médaillons, bah forcément, Stukov, le fait qu'il n'ait pas de purif est moins dommageable puisque tous les persos ont des purifs, donc Stukov peut beaucoup plus se sortir. C'est ce qui explique aussi pourquoi on revoit beaucoup de Stukov. Peut-être que les médaillons disparaîtront. Moi c'est mon pronostic hein. Je pense vraiment que les médaillons vont disparaître. Si vous suivez mes analyses de patch, j'en ai déjà parlé. Je pense qu'il n'y aura plus de médaillons. Ils vont pas essayer de faire des réglages. Je pense qu'ils vont vraiment couper court. Du coup, Stukov peut-être sera impacté par ces choses-là. Et bien sûr, à l'inverse, je crois que je sais plus si je l'ai oublié ou pas, mais je préfère le dire, le vent d'émeraude, lui, par contre, souffre aussi. Il y a le papillonnage qui revient très bien avec le burst heal du 13, avec l'amélioration de heal du 13. À l'inverse, le vent d'émeraude, lui, souffre énormément de la méta médaillon. Ça veut pas dire que c'est nul, bien entendu, hein, c'est toujours très fort. C'est comme ceux qui me disent que le loop sur Chromie, ça sert à rien maintenant qu'il y a le médaillon. Absolument pas, c'est totalement faux, c'est même l'inverse. Déjà, même si on vous médaillon, vous avez votre mini nano boost avec Romy, et de toute façon, c'est 50 secondes le loop. Le médaillon, c'est 300 secondes, donc vous avez gagné, hein, juste avec ça. Maintenant, le vent d'émeraude, c'est pareil. C'est très fort, c'est un CD court, ça sera toujours aussi playmaker. Mais oui, avant, ça aurait fait le move. Maintenant, potentiellement, ce move sera réduit, l'impact sera réduit par quelques médaillons. Ça ne veut pas dire que le vent d'émeraude est nul, mais forcément, vous avez le burst heal qui améliore le papillonnage et qui vous permet d'être plus safe, et vous avez d'un autre côté le médaillon qui peut annuler certains vents d'émeraude. Donc c'est un petit coup dur pour le vent d'émeraude aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Si ce format-là vous plaît, je le ferai pas tout le temps, bien entendu, mais ça me semblait plutôt logique et cohérent d'en faire un sur Brightwing qui est vraiment à la mode en ce moment. Donc voilà. N'hésitez pas, encore une fois, j'espère que toute la vidéo, j'ai réussi à rester assez court, etc. et rester assez concis. Donc j'espère que ça vous plaira. Plein de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Et n'oubliez pas de suivre le Facebook, le Twitter et le YouTube. Merci Brightwing, vraiment sympa. Bon après l'imitation était poubelle, hein. On a tous compris que c'était toi Malga. Non, 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 non. C'est moi, c'est Brightwing. Plein de bisous. Oh, un cheval. J'adore manger les chevaux. Ou les chevals, je ne sais pas. Fin du, hein. Au revoir.